Bienvenue à vous pour cette nouvelle séance de décryptage du hasard, la première d'une nouvelle série dans laquelle ce sont les lecteurs qui prennent la parole. Les séances de décryptage sont l'opportunité de prolonger des cogitations et les rencontres initiées par cet ouvrage que vous connaissez très bien maintenant, Pourquoi moi, le hasard dans tous ses états, paru aux éditions Belin. 30 minutes de décryptage et l'occasion pour vous de poser vos questions dans le chat ou de laisser vos commentaires plus tard en ligne sous la vidéo. Ce soir, c'est le mathématicien Anatole Kalif que nous avons le plaisir d'accueillir en direct. Bonsoir Anatole. Bonsoir Laurence. Anatole Kalif est enseignant-chercheur, il est maître de conférences à Sorbonne Université. Anatole est spécialiste de la logique mathématique. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Il anime depuis plusieurs années un séminaire de logique catégorique. Pour lui, la logique essaie de décrire de façon très schématique comment notre cerveau fonctionne. Anatole, pourrais-tu, s'il te plaît, pour démarrer cette séance, compléter cette présentation très succincte que je viens de faire de toi? Alors, par exemple, j'enseigne pour les étudiants qui font le CAPES et les professeurs des écoles plusieurs parties des maths, y compris les probabilités, ce qui quand même peut nous intéresser pour la question du hasard. Donc, comme tu l'as dit, j'anime le séminaire de logique catégorique et je travaille avec Marc Lachaiseret pour essayer de joindre la gravité et la mécanique quantique. Et c'est là que la question de savoir si Dieu joue au dé, entre les guillemets, va apparaître. Ensuite, quelquefois, pour illustrer des choses liées à la physique, je fais des spectacles avec Emma la clown. Et alors, raconte-nous tes spectacles, parce que c'est quand même pas, c'est hors du commun, un mathématicien qui fait Alors, des le premier spectacles. spectacle, c'était sur un gros papier que j'ai écrit qui s'appelle Les variétés stochastiques, où il s'agissait de géométriser le hasard. Ah oui, carrément. Donc, tu aurais pu Oui. nous faire ce spectacle ce soir avec Emma la clown en direct, en quelque sorte. Anatole? Elle veut uniquement quand il y a un public, Un en vrai chair et en public. os, pas de Anatole, public virtuel. au niveau de tes enseignements, parce que tu as des travaux d'enseignement aussi que tu mènes, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, par exemple, je les prépare au concours du CAPES ou au concours de professeurs d'école. Alors, pour le CAPES, un moment, une fois, je leur ai donné un sujet pour justement modéliser la pandémie. Donc, C'est un c'était sujet un un peu. processus de mort-naissance. Ça permettait d'expliquer qu'est-ce que c'est que le facteur R0. Et tout d'un coup, un de mes étudiants me sort, mais monsieur, si tout le monde est contaminé, le nombre de contaminés ne peut pas augmenter. J'ai répondu par une boutade que ce n'est pas très réjouissant, mais ce que ça illustrait, c'est que tout modèle a un domaine de validité. Et dès qu'on en sort, les prédictions n'en sont pas valables. Voir le crash qu'il y a eu en 2007, par exemple. Moi, Le c'est une crash belle financier. illustration. Alors, Anatole, est-ce que tu pourrais nous citer une phrase ou deux, si tu préfères, qui pour toi illustre bien le hasard? Alors, même trois, en fait. La première, c'est Dieu ne joue pas au dé, d'Einstein. La deuxième, c'est la réponse à bord. Qui es-tu donc, Einstein, pour dire à Dieu ce qu'il doit faire? Et la troisième, c'est une phrase de Stephen Hawking qui disait, non seulement Dieu joue au dé, mais il jette les dés tellement loin qu'on ne peut pas les voir. Ok, c'est chouette. T'as un commentaire à faire particulier? Alors, ma conviction personnelle, mais ça on en parlera pour la question du hasard, c'est qu'effectivement, Dieu joue au dé, enfin, du point de vue d'Einstein. Après, j'expliquerai peut-être plus en détail pourquoi. Parce que de toute façon, le débat entre Einstein et Bohr est un débat purement philosophique. On ne peut pas donner de preuves scientifiques que l'un ou l'autre a raison. On peut simplement donner des arguments qui rendent l'une position plus raisonnable, entre les guillemets, que l'autre. Anatole, est-ce que tu as une anecdote, voire plusieurs anecdotes à nous raconter, ou dans ta vie, le hasard t'a croisé? Oui, je surveillais un examen, c'était il y a plus de 25 ans. Puis tout d'un coup, pendant la salle,
trois hommes entrent avec des cagoules noires et ils aspergent la salle avec du gaz lacrymogène. Je réagis comme si c'était une attaque de banque. Je me plaque au sol. Bon, alors, c'était une heure après le début de l'examen, donc l'examen a dû être annulé. Mais un étudiant a réussi à finir l'épreuve au bout d'une heure. Donc, on m'a demandé de lui corriger sa copie. J'avais mis 14. Cet étudiant s'appelle Christophe Chalon. À partir de ce moment-là, une amitié a commencé à s'installer entre moi et lui. 25 ans après, il a commencé une thèse sous ma direction sur ce qu'on appelle les degrés ludiques, qui parle de corrélation à distance sans transmission d'information, ce qui généralise le phénomène du paradoxe Einstein-Poldovsky-Rosen. Et c'est là que le hasard intervient, puisque ce paradoxe est l'argument donné par Bors pour justifier l'existence du hasard. Bon, bah pour une première anecdote, tu m'as dit qu'on avait plusieurs, on peut y aller. Alors, pour la seconde. La deuxième maintenant. J'ai rencontré, il y a à peu près une vingtaine d'années, deux personnes qui étaient étudiants avec moi à la fac. On a commencé à faire des maths ensemble dans les cafés. Après, on a surcherché un sujet de thèse pour l'un d'entre eux. On s'est dit qu'on va aller au cours d'Alain Proutet, d'un logique catégorique, parce qu'au début, je voulais seulement envoyer l'étudiant suivre le cours. Mais comme on était disponible, on est tous allés en cours. Grâce à ça, c'est le module où il y a eu le plus d'étudiants. Pour me remercier, il nous a pistonné pour qu'on ait une salle. Puis un autre mathématicien qui s'appelle Stéphane Dugosson est venu de faire un exposé. Il l'a marqué dans son CV. On s'est dit, puisqu'il l'a marqué dans son CV, pourquoi ne pas nous prendre au sérieux? Et c'est à partir de là que le séminaire de logique catégorique est devenu un séminaire officiel. Bravo Anatole. Anatole, alors toi, est-ce que tu penses que tu es devenu mathématicien, logicien par hasard? Alors en fait, dans mon parcours, il y a des événements qui sont dus au hasard et d'autres non. Par contre, il y a ma mère, quand j'étais jeune, à 11 ans, j'ai lu un livre de maths qui s'appelait « Jeu avec l'infini » de Roja Peter. Roja Peter est une mathématicienne qui d'ailleurs a eu ma mère comme élève. D'ailleurs, ma mère était sa meilleure élève, soit dit en passant. Et donc, en fait, cette lecture que tu as faite là, à l'âge de Gödel, 11 ans. Donc, dès l'âge de 11 ans, j'ai découvert Gödel. Et c'est ça qui m'a poussé à choisir, même dans les maths, la logique mathématique. Parce que cette histoire de théorème indécidable me turlupinait. Au début même, j'avais même du mal à admettre ce théorème-là. Parce que ça cause quand même une question existentielle. Est-il si toutes nos maths n'étaient fondées que sur du sable? C'est une très belle histoire, Anatole. Anatole, si je te dis, je te pose cette question, est-ce que tu es d'accord ou pas avec ce qu'elle dit? Le hasard, enfin c'est une question, le hasard est-il le purgatoire de la causalité? Qu'en penses-tu? Alors, si on estime que l'ignorance est un enfer, que la connaissance absolue est le paradis, on peut voir le hasard comme un purgatoire. Mais, ça c'est si on admet comme Einstein que Dieu ne joue pas au dé. Et on admet que le paradis, le hasard est totalement éliminé. Sinon, dire que le hasard est un purgatoire, s'il s'agit de vrai hasard, n'a pas tellement de sens. D'accord. Et tu penses qu'on peut être croyant et en même temps croire au hasard? Oui, à condition d'admettre que Dieu ne fixe que la direction générale que le monde doit prendre, mais n'intervient pas dans les détails. À condition d'admettre ça et d'admettre que tout n'est pas écrit dans les moindres détails, mais que Dieu ne s'occupe que de quelques grandes lignes, là oui, la croyance et le hasard peuvent être compatibles. Et alors, est-ce que tu penses qu'à l'aide des mathématiques, des outils que tu utilises, notamment en termes de logique, tu peux arriver à prouver l'existence du hasard?
Non, comme je te l'ai dit, on ne peut pas prouver scientifiquement l'existence du hasard. Et ça, tu en es sûr? Ben, c'est des questions qui sont même métaphysiques. Même si on veut faire une preuve avec des mathématiques, on est obligé d'y mettre des axiomes métaphysiques. Et alors, si on part dans la métaphysique tout de suite, ou parce que je sens qu'on risque de s'en approcher, d'après toi, est-ce que l'univers aurait pu ne jamais exister? Alors ça, par contre, je ne pense pas que le hasard soit à ce point-là. Parce qu'à partir du moment où on a la possibilité que l'univers existe, rien que le fait que cette possibilité existe signifie que quelque chose existe. Donc déjà, quelque part, l'univers existe. Donc c'est un En problème tant qu'ensemble de d'origine. ce qui existe. Problème d'origine, Anatole. Voilà. Et alors, pour toi, le hasard, est-ce qu'il tiendrait plutôt finalement du déterminisme ou plutôt du libre arbitre? Alors, plutôt du libre arbitre. D'ailleurs, il y a un théorème de Conway qui s'appelle le théorème du libre arbitre, autrement nommé sous le nom de Will-Free en anglais, qui dit la suivante: si on admet que l'expérimentateur a son libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de faire ou tel protocole expérimental, et qu'on admet le théorème de Cochen-Spacker, qui ressemble un petit peu sur l'interaction à distance, alors on est obligé d'admettre un indéterminisme physique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail? C'est-à-dire de façon, comment dire, qui soit un peu plus vulgarisée, un Le peu terme de plus expliquée. Cochen-Spacker, Oui, s'il te plaît. ça veut dire que si on admet que tout cet événement est déterminé par son passé dans le cône de lumière, qu'on admet le théorème de Cochen-Spacker sur les interactions longue distance de la mécanique quantique, et qu'on admet le théorème du libre arbitre, alors on débouche sur une contradiction logique. D'accord. Alors, est-ce que on sort un peu des mathématiques, est-ce que tu penses que les idées peuvent naître pour toi au croisement des disciplines? On peut bien entendu inclure les mathématiques dans les disciplines, mais on peut inclure aussi l'art, puisque tu fais du théâtre, ou on peut inclure plus généralement la culture ou n'importe quelle autre discipline que tu Absolument, aimerais. absolument. D'ailleurs, il y avait un moment où on avait demandé à Danaher de jouer aux nouvelles géométries pour la physique, où moi je m'occupais de la partie mathématique, Marc s'occupait de la partie physique et Jean-Jacques Cécignas de la partie philosophique. Et donc, quand tu es sur un modèle comme ça de trio, maths, philo et puis physique, tu as constaté qu'on pouvait arriver de façon concrète, hein. Tu as des exemples où la recherche a avancé à certains moments comme ça? Ben, déjà pour les maths et la physique, ça permet déjà de donner un modèle. En plus, en mécanique quantique, on fait intervenir l'observateur. Donc, on a les problèmes d'autoréférence. Donc, forcément, ça va déjà s'approcher des questions philosophiques. Penses-tu que Exemple, les... Gilles Dewecq, quand il parle de solipsisme convivial, on est quand même déjà dans la philosophie. C'est vrai. Est-ce que tu penses que les erreurs font avancer la recherche, certaines Bien en tout sûr. cas, et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu as un exemple, plusieurs exemples? Ben, quelquefois, en voulant démontrer quelque chose, il m'est arrivé de trouver un contre-exemple ou bien l'inverse. Quelquefois, Alors, j'ai même collaboré avec des mathématiciens où, effectivement, à partir d'une erreur que soit moi, soit d'autres avaient fait, on a pu faire un article ensemble. au tout début de notre échange, tu as parlé de crise sanitaire. Penses-tu que nous allions au hasard concernant la crise sanitaire que nous traversons, notamment Alors, en termes de prédictibilité de la pandémie? pour l'évolution de la pandémie, on a effectivement un effet du hasard. D'après les modèles probabilistes, on se doute bien que la pandémie pourrait, d'une certaine façon, se transformer en virus inoffensif, mais on n'a aucune idée de quand. Au début, j'ai espéré
que le virus pouvait se rendre inoffensif tout seul sans qu'on ait besoin de la vaccination. Mais j'ai dû déchanter. Moi-même, je vais t'avouer franchement qu'au début, je n'étais pas tellement pour la vaccination. Mais après, maintenant, je me suis inscrit à la pharmacie pour me faire vacciner. Parce que je me suis dit, si on veut attendre que le virus s'en aille de lui-même, on risque d'attendre longtemps. L'évolution du virus est aléatoire. La seule chose qui est moins due au hasard, c'est la vaccination. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les calculs que tu avais fait, que tu as menés au début de la pandémie et un peu après dans sa suite? Nous expliquer ce qu'est le fameux R0. En fait, quand on a un processus de mort-naissance, on a l'espérance mathématique où on met une probabilité qu'on donne une personne, deux personnes ou zéro personne qui vont être contaminées. Et le R0 est cette espérance. Dans le modèle probabiliste de mort-naissance, quand le R0 dépasse 1, ça croît indéfiniment. Quand le R0 est strictement plus petit que 1, ça finit par s'éteindre. Et alors, dans le calcul que tu avais fait, on n'était pas sur un modèle où ça pouvait finir par s'éteindre à court terme, en tout cas. Après, c'est un modèle simplifié. On a d'autres facteurs à ajouter si on veut faire un modèle plus simple. Parce que pour le moment, effectivement, le confinement contribuait à mettre le R0 en dessous de 1. Mais il y a également d'autres facteurs. Ça, c'est le modèle ultra simplifié. Alors, je vais passer sur un titre d'exposé qui fait le lien avec ce que tu viens de dire. C'est le titre d'un exposé qui s'appelle « Le hasard vu par un mathématicien », titre d'exposé de Guillaume Aubrin, qui est lui-même maître de conférence à l'Université de Lyon 1. Et ce mathématicien conclut cet exposé par la phrase suivante. « Le hasard est aussi un outil qui sert à montrer l'existence d'objets mathématiques qui sont trop compliqués pour être décrits explicitement. » Anatole, pourrais-tu, s'il te plaît, commenter cette phrase en relation directe avec ce que tu as dit juste avant? Alors, j'ai regardé justement ce qu'il a fait. Alors, ce n'est pas tout à fait le hasard qui permet de montrer l'existence, c'est le calcul des probabilités. Je me rappelle qu'une fois, je faisais pour le CAPES un cours de calcul des probabilités. J'avais un de mes étudiants, qui est de confession bouddhiste, qui m'a dit « Pourquoi faire des probabilités ?» alors que le hasard n'existe pas. Lui aussi pensait que Dieu ne joue pas au dé. En fait, ce que j'ai répondu, c'est que de toute façon, les lois des probabilités sont valables, même si on n'admet pas l'hypothèse du hasard. Le calcul des probabilités, qui va être en fait dans le cas que Guillaume Aubrin étudie, un problème de dénombrement, cas possible sur cas favorable, fonctionne même si on n'admet pas l'existence du hasard. D'ailleurs, avec cet étudiant, on a gardé contact, on est sympathisé, on est devenu amis. Anatole, ça, c'est une autre histoire. Dû au hasard. Exactement. Anatole, la logique, d'après toi, est-ce qu'elle tient compte du hasard? Alors, on peut avoir des logiques qui tiennent compte du hasard, des logiques floues, des logiques probabilistes, même si l'enchaînement des raisonnements ne contient pas de hasard. Logique floue, tu peux préciser, s'il te plaît? On a des valeurs logiques entre 0 et 1, un peu comme les probabilités. D'accord. Même si alors, la logique floue n'est pas des probas. D'après toi, les relations qu'il existe entre les différentes constantes universelles seraient-elles le fruit du hasard? À mon avis, non. Les lois qui sont universelles et intemporelles ne sont pas du hasard. Ce qui peut être contingent, c'est ce qui n'est pas conséquence de ces lois. Tu peux développer parce que c'est très intéressant ça. Voilà, parce que la question, est-ce que les lois physiques vont permettre de tout déterminer. En physique classique avec Laplace, on avait l'impression que
Dès qu'on connaissait exactement les conditions initiales, on savait exactement comment la suite allait se dérouler. Idem pour le phénomène du chaos. Pour le phénomène du chaos, c'est une très grande sensibilité aux conditions initiales qui donne l'illusion du hasard, mais qui n'est pas un vrai hasard au sens théorique du terme. Après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va faire penser que tout n'est pas décrit par les lois de la physique? Les lois de la physique, on les cherche avec certaines symétries et certaines symétries d'invariance. Or, le monde que l'on observe, rien n'est symétrique. Comment du non-symétrique pourrait-il apparaître dans un monde où toutes les lois sont symétriques? Anatole, est-ce que tu penses qu'il y aurait une corrélation entre les invariants et le hasard? En quel sens? C'est-à-dire, si on veut trouver là où se trouve le hasard, est-ce que c'est intéressant de chercher où se trouvent les invariants? Parce qu'on pourrait peut-être trouver le hasard en creux. Les invariants vont donner la contrainte de ce que peuvent être les lois de la physique. Et on ne peut, et ce n'est qu'en connaissant les lois qu'on peut savoir qu'est-ce qui va échapper à ces lois. Donc, ce serait une sorte de vision en creux. Exactement. Alors, Anatole, si tu pouvais éliminer le hasard de quelque part, imagine, tu peux éliminer le hasard de quelque part, tu l'éliminerais d'où le hasard? Il s'agit de l'éliminer des lois fondamentales. Par contre, il faut faire attention, si on élimine le hasard partout, on devient des machines. Et là, ce n'est pas très bon pour la société humaine si l'être humain est considéré comme une machine. Tu penses que ça pourrait arriver? Avec le transhumanisme, on n'en est peut-être pas très loin. Et alors, en science-fiction, je fais un pont, puisque finalement, transhumanisme est un sujet beaucoup traité aussi en science-fiction. Penses-tu que les uchronies nous aident à illustrer le hasard? Oui, parce que les uchronies montrent des histoires possibles, et c'est la pluralité des histoires possibles qui rend le hasard possible. Tu peux faire une corrélation peut-être là avec des univers parallèles? Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, il y a Everett qui a proposé une interprétation qui est différente d'Einstein et Bohr. Donc, Einstein disait ce qui va se passer va arriver de façon déterminée. Ça s'approche des variables cachées de David Bohm. Bohr disait on ne peut pas prévoir tout ce qui arrive. Et en gros, Everett dit tout arrive, mais dans un monde différent. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, le problème que tout arrive, si c'est des mondes qui n'interagissent absolument pas entre eux, dans ce cas-là, le rasoir d'Occam oblige à éliminer l'hypothèse, ou alors on admet qu'ils interagissent, mais faiblement. Dans ce cas-là, l'hypothèse peut être testable. On peut supposer qu'avec la gravitation, des choses qui sans la gravitation n'interagiraient pas pourraient éventuellement interagir faiblement, y compris sur le solipsisme convivial qui, avec la gravitation, pourrait être très légèrement moins convivial. Tu peux développer, Anatole, sur le solipsisme convivial? Alors, le solipsisme convivial dont on va parler Gilles Loeck, c'était que chaque observateur a son propre point de vue, mais que deux observateurs ne se contredisent pas. Par exemple, moi, je vois Laurence, mais la Laurence que je vois, c'est la Laurence vue par Anatole, qui va observer la même chose qu'Anatole, mais qui n'est peut-être pas la vraie Laurence, ni le Anatole vu par Laurence. Mais comment peut-on vérifier, vu que je n'ai pas accès à la vraie Laurence? Par contre, si on admet que ce que je vois et toi, on a un léger désaccord, je peux passer de Laurence à Laurence vue par Anatole, puis re-Anatole vue par la Laurence vue par Anatole, qui n'est peut-être pas tout à fait le Anatole initial.
Et comme ça, je peux accéder indirectement au point de vue d'une sorte de double de moi-même. Et bon, alors, que penses-tu, Anatole? Parce que là, on a rajouté des couches. Oui, c'est ça, c'est faramine, enfin c'est vertigineux, c'est oui, complètement abrupt comme raisonnement, mais pourquoi pas, c'est intéressant. Et en tout cas, on n'a pas du tout idée de combien de superpositions on pourrait avoir dans un monde pareil et quelles seraient les corrélations éventuelles de ces mondes. Oui. Que penses-tu, Anatole, de l'oxymore, justement, qui dit c'est probablement vrai? Alors, si on parle d'un théorème mathématique, le théorème mathématique ne peut pas être dû à un hasard. Donc, dire que c'est probablement vrai, c'est une probabilité due à notre ignorance. On mesure la confiance qu'on a, c'est une probabilité subjective. C'est un phénomène contingent, on peut dire que c'est probablement vrai. Mais en mathématiques, dire c'est probablement vrai revient à dire c'est probablement nécessaire. Et là, on parle de nécessaire au sens de vrai hasard. Ça veut dire que c'est déterminé, mais on peut avoir une appréciation subjective. Anatole, tu parles de vrai hasard. Est-ce que tu parles du hasard pur quand tu parles du vrai hasard? Et si oui, tu peux nous le définir? Définition du hasard. Alors, on a le faux hasard, qui serait dû à notre ignorance, qui peut être dû aussi, par exemple, à la très grande sensibilité des conditions initiales, comme dans le cas du chaos, ou également des suites pseudo-aléatoires, dont justement Jean-Paul Delahaye a parlé. Vrai hasard, c'est quand un événement va échapper aux lois de la physique. Alors, pourquoi je privilégie l'hypothèse de cette existence ? Si je nie l'existence du vrai hasard, ça veut dire que ou bien les lois physiques ne sont pas symétriques. Et là, on tombe dans une théorie à variables cachées où on renonce à la symétrie des lois de la physique. Ou alors, on admet que ce qu'on observe, malgré les apparences non symétriques, est en fait symétrique et on tombe dans l'interprétation de type monde parallèle. Si c'est des mondes auxquels on n'a pas accès du tout, même pas indirectement, le prix à payer est quand même assez lourd. Est-ce que tu acceptes de parler de complotistes? Pourquoi pas? Pourrait-on dire d'eux, justement, qu'ils rejettent le hasard? Disons que de leur point de vue, c'est comme si le cerveau du complot était une gigantesque variable cachée. D'accord. Anatole, finalement, avant que nous prenions des questions de nos internautes, est-ce que tu pourrais tenter de nous donner ta ou tes définitions du hasard? Alors, là, je crois que j'avais répondu. Donc, le hasard, c'est quand on a plusieurs possibles, quand on a plusieurs histoires cohérentes possibles. Il faut qu'elles soient cohérentes. Oui. Parce que sinon, elles ne peuvent pas arriver. D'accord. Alors, je vais regarder si on peut prendre une ou deux questions. Alors, c'est très théorique, Anatole, tout ce que tu nous as dit. Quelle différence entre les différents hasards si on ne peut les différencier à l'observation? Je prends la question telle qu'elle est posée, je ne la formule pas davantage. Est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Justement, si on ne peut pas les différencier, le fait d'attribuer à ces choses-là telle ou telle forme de hasard est après une croyance personnelle et philosophique, exactement comme quand Einstein disait « Dieu ne joue pas au dé », alors que Bohr était d'un avis contraire. Le but est toujours que finalement la physique ou les démonstrations qu'on peut en faire viennent donner au hasard une existence, une consistance. Exactement. En fait. L'expérience Einstein-Podolsky-Rosen ne prouve pas l'existence du hasard. Elle rend simplement l'hypothèse du hasard plus vraisemblable. Dans la mesure où le prix pour maintenir le déterminisme
est élevé du point de vue du rasoir d'Occam. Est-ce que tu peux préciser le rasoir d'Occam pour ceux qui Alors, nous le écoutent? Alors, le rasoir d'Occam dit que si en fonction des données d'expérience, on a plusieurs hypothèses, on choisit la plus simple. Mais l'hypothèse la plus simple, avec un certain niveau d'expérience, peut être éliminée par des expériences qui viendront après. Donc, les hypothèses sont toujours transitoires. C'est une sorte de test récurrent. Exactement. Très bien. Anatole, pour le mot de la fin, as-tu quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut conclure? Est-ce qu'on aurait quelque chose à dire? Tu aurais quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué? En fait, nous ne saurons jamais avec certitude si le hasard existe. Et ça, tu en es sûr? Même pas. Notre décryptage de ce soir se termine ici. Merci à vous pour votre participation. Un grand merci tout spécial à Anatole pour la clarté de ses propos en dépit de leur complexité et l'intérêt de toutes ces connaissances qu'il nous a gentiment, je vais dire, apportées. Nous nous retrouvons ici samedi à 21h en compagnie du géologue Abder El Albani pour un nouveau décryptage du hasard. Excellente soirée à vous et à samedi. Bonne soirée Anatole et merci. Bonne soirée Laurence.